I do have the click I added, I didn't have my presentation. So you have to click it and then you can see the suit. And then we can pass it to whoever is. Yes. So we do one round and then we take some questions and then we do a second round to break it up and then we start with the and then do you mind? Is everybody here? Could you look towards me, please? Thank you. Hello. Hello everybody, welcome. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce panel sur l'Internet des objectifs, des objets, pardon. On va donc parler de l'avenir avec des outils, des appareils qui seront centrés sur les êtres humains. Nous avons des panélistes qui sont venus nous voir du monde entier, de l'Allemagne, du Zambie. Il y aura deux parties. La première partie sera consacrée à un sujet qui sera traité par Benedict Abendroth, responsable de Microsoft, qui est responsable de la programmation de logiciels de sécurité. Et puis, il y aura Walid Al-Sakaf, qui est professeur à l'Université Solaton et qui est également membre de l'ISOC. Et après ces deux premiers intervenants, nous avons l'occasion de présenter les autres intervenants. Je m'appelle Solane, je travaille chez Mozilla, chez la Fondation Mozilla, ici à Berlin. Et en fait,
Il y a très peu de temps que j'ai commencé à m'intéresser de ce sujet. Nous avons rédigé un rapport intitulé « Privacy Included, Rethinking Smart Home ». Et en fait, notre fondation essaie de faire des analyses sur les outils qui apparaissent, qui sont utilisés dans ce contexte. Et nous avons contacté plusieurs experts pour voir comment résoudre les problèmes de sécurité, que ce soit dans les ménages dans les villes ou dans un contexte plus large. Donc, nous essayons de suivre une approche holistique et d'en déduire les aspects positifs qui nous sont offerts par Internet. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à Bénédicte et je lui demanderai de bien vouloir nous présenter la perspective de Microsoft. Donc, merci. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui ici et je tiens tout particulièrement à remercier les organisateurs de cette conférence. Je m'appelle Bénédicte et je travaille chez Microsoft. Je suis responsable d'un logiciel de sécurité inventé par Microsoft. Je parlerai de trois sujets. Premièrement, la propagation des technologies de sécurité. Deuxièmement, les menaces en termes de sécurité, et troisièmement, la perspective ou la réflexion de Microsoft en termes de solution de ces problèmes de sécurité. Je suis le premier intervenant, c'est la raison pour laquelle j'aimerais tout d'abord parler un petit peu du contexte de ce problème. L'influence d'éthique est énorme dans ce contexte, et je vais vous citer quelques chiffres. Je pense... Il est tout simplement très important qu'il s'agit de chiffres très impressionnants que je vais citer. Le chiffre que je trouve le plus intéressant, c'est le fait que d'ici 2025, il y aura 80 milliards d'appareils connectés. C'est vraiment un chiffre énorme. Et pourquoi? Je pense que cela est dû à deux raisons. Donc, premièrement, technologiquement parlant, au cours des dernières décennies, il y a eu plusieurs évolutions qui ont dynamisé l'évolution de ces technologies, à savoir un abaissement des coûts de développement et la création de l'informatique en nuage. Et tout cela a débouché sur une explosion du nombre de ces appareils. Et donc, il y a des jouets, des... Il y a énormément d'objets, d'appareils qui peuvent être connectés à Internet. Deuxième facteur, il y a plusieurs possibilités pour faire usage de ces appareils. Il y a par exemple des détecteurs de fuite de gaz. Il y a des dispositifs qui permettent de surveiller des milliers d'appareils et cela évite donc de faire appel à des techniciens qui doivent venir sur place. Donc, tout cela représente une opportunité énorme pour les entreprises et notamment pour les entreprises qui souhaitent introduire de nouveaux modèles commerciaux. Donc, c'est également un énorme marché qui est à disposition des entreprises. Il y a donc, comme je disais, plusieurs facteurs qui ont entraîné cette explosion de nombre d'appareils. Je voudrais me concentrer sur certaines catégories de ces appels. Donc, qu'est-ce que cela signifie concrètement, l'Internet des objets? Eh bien, il n'y a pas de définition très claire de cette notion. Pour nous, il s'agit d'un nouveau concept de l'interaction de ces appareils avec le monde réel, avec le monde physique. Et tout cela s'applique notamment aux micro-appareils, pour ainsi dire. Dans cette catégorie, il y a 9 milliards de puces qui sont intégrées dans les appareils de ce type. On parle en fait d'appareils qui ont la taille d'un angle du puce. Donc, on parle ici de four à micro-ondes, des produits médicaux, éventuellement aussi dans le microphone. Ces appareils, donc ces
CU, ces unités de microcontrôle, existent depuis les années 90, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore connectés à Internet. Maintenant, cela est possible. Mais ce 1%, surtout 1%, va très probablement augmenter. Et vous allez constater que très souvent, les appareils radio disposent déjà d'une telle puce. Et cela entraîne des changements extraordinaires. Et cette puce que vous voyez ici, si vous en aurez acheté 1 000 000, vous aurez dû payer 2 euros. Donc le coût d'une tasse de café. Et pour cette somme, vous pouvez donc acheter 100 000 appareils. Tout cela entraîne des opportunités, mais également des risques que je vais également mentionner aujourd'hui. On parle très souvent des attaques des pirates, que ce soit un babyphone ou un frigidaire. Il y avait même quelqu'un qui a réalisé une attaque contre un bassin d'eau pour poissons. Donc il y a énormément de possibilités de commettre des crimes. En 2016, il y avait un événement à l'est de notre pays. Et dans tous les cas, tout cela a des effets néfastes sur la vie privée des utilisateurs. Cela peut même aller jusqu'à la sphère privée des utilisateurs. Et bien évidemment, cela a également des effets néfastes en termes d'économie. Ici à gauche, vous voyez une catégorisation. Et si vous le regardez de plus près, vous allez constater qu'il y a une multitude d'approches et de méthodes. Il y a une multitude d'acteurs. Certains souhaitent détruire les infrastructures ou un secteur industriel. Il y en a d'autres qui souhaitent défendre leurs objectifs individuels. Il y en a encore d'autres qui souhaitent voler des données personnelles. Et donc, en général, on peut dire, en résumé, on peut dire qu'il y a énormément d'acteurs malveillants qui menacent l'intégrité des systèmes informatiques. Il y a un point commun. La voiture et tous les autres objectifs sont vraiment en danger. Donc, une première conclusion. Le prochain transparent vous montre les points de contact. Donc, qu'est-ce qu'on voit s'il y a une attaque d'un hacker. Donc voilà, ça c'est le champ de bataille, pour ainsi dire. Voilà la situation qui se présente lorsque vous souhaitez hacker un produit médical. Donc tout d'abord, vous pouvez y accéder physiquement, vous pouvez également utiliser les IEO, vous pouvez également attaquer le système informatique, vous pouvez également rompre la communication et bénéficier des lacunes de sécurité. Donc, vous pouvez vraiment attaquer chaque élément que j'ai mentionné ici sur ce transparent. Sinon, théoriquement, les points d'attaque potentiels sont limités, mais il y a des méthodes illimitées, des possibilités illimitées de procéder. Et les hackers, vous le savez tous, sont très inventeurs. Donc, qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'un appareil qui est connecté à l'Internet des objets est hacké? Effectivement, il y a d'énormes possibilités. Juste pour vous citer un exemple, on peut par exemple bloquer l'appareil et puis on peut faire un chantage pour faire refonctionner l'appareil. Si vous pensez à un thermostat, un simple thermostat par exemple, ça s'est passé à Ohio. On a également vu d'autres cas très, très dangereux. On peut surveiller des individus, on peut surveiller les géodonnées, on peut les manipuler aussi, et cela peut entraîner des effets
très, très dangereuse, très néfaste. Je pense également à l'exemple du bassin d'eau où on avait hacké le thermomètre, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette pléthore de possibilités et on devrait essayer de les éviter à tout prix. Je vais vous donner un autre exemple. Les fabricants de ces appareils devraient toujours penser à une chose. Il faut penser des risques, penser à un four, par exemple. Bon, il y a bien évidemment là, les conséquences sont moins graves que dans le cas d'une voiture. Si quelqu'un réussit à hacker une voiture, cela peut avoir bien évidemment des conséquences bien plus graves. Mais donc, chaque individu mérite une protection suffisante. Donc, comment y arriver? Comment arriver à un niveau de protection suffisant pour tous les appareils concernés, potentiellement concernés? Selon nos recherches, un niveau de sécurité peut être atteint lorsque il y a 7 caractéristiques. Je vais être très très bref là-dessus, mais si cela vous intéresse, vous pouvez faire des recherches sur Internet, dans un moteur de recherche. Mais vraiment, en bref, les caractéristiques dépendent toujours du maillon le plus faible dans la chaîne. Donc, il y a donc des aspects liés au logiciel, puis au matériel, puis... c'est toujours l'interaction de ces caractéristiques qui doivent concourir pour assurer la sécurité et la protection de l'appareil. Bien évidemment, il faut mettre à jour les logiciels pour être adaptés à l'évolution, parce qu'à l'heure actuelle, ces appareils sont utilisés non seulement pendant une ou deux années, mais vraiment beaucoup plus longtemps. Et nos recherches ont donc montrer que tous ces éléments sont très importants. Pour conclure, j'aimerais faire un commentaire sur ce que font les gouvernements ou le gouvernement américain. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de la Californie qui a adopté une loi selon laquelle il faut y avoir des normes minimales pour les mots de passe. Entre-temps, il y a d'autres projets législatifs qui ont vu le jour en Europe. Par exemple, il y a le cadre de certification ou la législation en matière de cybersécurité. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, est en train de développer des normes qui seront contraignantes. En Asie, le gouvernement du Japon est en train d'essayer de contrôler les mots de passe qui sont utilisés sur plusieurs millions d'appareils. Et tout récemment, l'autorité de sécurité du Singapour a publié un rapport selon lequel le gouvernement a été demandé de se pencher plutôt encore plus sur ce sujet. Un autre exemple, en septembre 2016, dans notre contexte, c'est une époque, c'est très, 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 très grand. Force est à constater qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui persistent et qu'il faut vraiment faire des efforts pour combler ces lacunes de sécurité. Merci beaucoup, Michael. Maintenant, je passe la parole à Valita Al-Sakaf. Merci, c'était un grand plaisir pour moi d'assister à ce panel. J'ai en fait deux fonctions. Tout d'abord, je suis scientifique, chercheur dans le domaine d'Internet. En plus, je suis membre du bureau de la Internet Society, Société d'Internet. Et c'est surtout dans cette deuxième fonction que je vais parler aujourd'hui. Bien évidemment, je fais également faire des rajouts qui sont basés sur ma connaissance technologique. Quand on regarde les données techniques, cela est très utile pour comprendre la réalité autour de nous. Et je voudrais notamment me pencher sur la recherche réalisée par notre société. Nous coopérons avec une association de la défense des droits des consommateurs, parce qu'on ne peut pas agir tout seul dans ce domaine. Le concept de l'Internet des objets est quelque chose de très complexe.
quelles sont les contributions apportées par les utilisateurs? Et là, on parle notamment de la perception. Et j'aimerais poser cette question au public. C'est la même question que nous avons soulevée dans nos sondages. Combien d'entre vous, et vous pouvez peut-être lever votre main, combien d'entre vous ou la question est plutôt, est-ce que ceux qui font un travail législatif devraient réguler la vie privée? Est-ce que vous pensez que c'est une mission qui incombe aux législateurs? Qu'est-ce que vous pensez des fabricants? Est-ce que ce sont eux qui devraient identifier et définir des normes? Est-ce qu'on peut lever la main pour toutes les questions, pour toutes les réponses? Oui, si vous voulez, je voulais juste vérifier si les opinions qui sont représentées ici correspondent plus ou moins à nos résultats. Donc, chaque appareil qui est connecté à l'Internet des objets est connecté à plusieurs acteurs. Vous avez les utilisateurs, puis vous avez le législateur. Vous avez en plus les canaux de distribution dans lesquels se passe la communication directe avec les clients. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les distributeurs devraient également œuvrer en faveur de la protection? Donc, une voix qui a été exprimée. 88% des sondés qui ont été sondés dans le cadre de notre sondage, un sondage réalisé sur un échantillon de 1000 personnes en Australie, au Canada, en France, au Japon, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc, nous avons réalisé ce sondage dans 6 pays. Donc, au total, c'était donc 6000 personnes sondées. Et on leur a posé la question de savoir est-ce que vous pensez que les législateurs doivent finir des normes pour protéger la vie privée? Eh bien, 88% étaient de cet avis. Donc, bien plus qu'ici dans cette salle. 81% pensaient que cette responsabilité incombe également aux fabricants. Concernant la protection de la vie privée. Et puis, 80% des personnes sondées ont dit que cette mission incombe aux vendeurs. Donc, il y a quand même quelques écarts entre les résultats qu'on a obtenus ici dans cette salle et dans notre sondage, mais c'est peut-être aussi dû à l'heure. Donc, cela reflète quand même la perception et la position des clients, des consommateurs. De toute façon, les législateurs ont un rôle clé dans ce contexte, au moins dans les pays industrialisés. Je ne sais pas quelle est la situation dans les pays en développement. Là, éventuellement, l'Internet joue un rôle mineur. Par ailleurs, nous avons demandé quelle est votre position vis-à-vis d'Internet. Et j'aimerais encore une fois m'adresser aux intervenants. Combien d'entre vous pensent qu'il faut se méfier du partage des données? Donc, vous êtes tous méfiants? Vous? Vous avez de la confiance? Non, non plus. Alors, disons 100% de méfiance, je m'exclus quand même. Combien d'entre vous pensent? Combien d'entre vous pensent que les appareils connectés à Internet des objets sont un peu préoccupants? Vous les vendez, alors vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas préoccupé. Pour vous, c'est difficile de répondre, ok? Vous aussi, vous êtes plutôt préoccupé par ces appareils? En
fait, les questions que nous avons posées dans le cadre de ce sondage étaient de nature très variée. Nous avons également demandé, est-ce que vous savez comment arrêter la transmission de données? Qu'en est-il chez vous? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne de bloquer cette fonction? Donc, disons, 60-70%. Et dernière question, combien d'entre vous qui utilisez un appareil intelligent ou combien d'entre vous, pour des sécurités, pour des raisons de sécurité, renonceraient à un appareil intelligent? Vous en avez déjà un? Donc, vous avez tous des appareils intelligents et vous n'êtes pas préoccupés. Eh bien, il y en a quand même qui n'achèteraient jamais de tel appareil parce qu'ils sont trop préoccupés par les risques potentiels que présentent ces appareils. Alors, je vais vous citer les résultats de notre étude. 75% des personnes sondées ont déclaré qu'ils sont plutôt méfiants concernant le partage des données. 63% des personnes ont répondu qu'ils sont plutôt préoccupés par ces appareils. Donc, et puis, 50% des personnes sondées ne savent pas comment bloquer cette fonction de la collecte des données ou de la transmission des données. C'est-à-dire, ils disposent de ces appareils, mais ils ne savent pas comment bloquer cette fonction. Et ensuite, 28% des personnes sondées renonceraient à l'achat d'un tel appareil parce qu'ils ont des réserves concernant la sécurité de cet appareil. Donc, voici, il s'agit, il faut le savoir, il s'agit d'opinions que nous avons collectées dans des pays industrialisés. Je ne peux que vous recommander de consulter un petit peu cette étude parce que c'est vraiment très révélateur et très préoccupant quand même en ce qui concerne l'avenir d'Internet des objets. Parce que la perception, joue un très grand rôle dans ce contexte. Les perceptions ne correspondent pas forcément à la réalité, mais il y a justement ce facteur qui joue. Cela ne signifie pas que les appareils soient mauvais ou bons, mais cela reflète très très bien ce que pensent les consommateurs. Depuis très longtemps, je travaille dans le domaine du journalisme, dans les médias, et je pense que les discussions que nous menons dans la société sur les activités de hacking, sur la fiabilité d'Internet, sur les caméras, etc., s'accumulent et cela laisse des traces dans la conscience des utilisateurs, des consommateurs. Et cela va certainement augmenter aussi cette perspective négative. Bien évidemment, certains cas seront certainement exagérés, mais c'est quand même révélateur que ces perceptions persistent. Ce qui est également très intéressant, qu'il n'y a presque pas de connaissances chez les utilisateurs sur le fonctionnement de ces appareils. Est-ce que les utilisateurs consultent vraiment les instructions? Est-ce qu'ils s'informent des risques potentiels? Est-ce qu'ils savent comment contourner ces risques? Donc, de la perspective des consommateurs, c'était vraiment très révélateur pour nous d'obtenir ces informations. Cela nous permet aussi de relier des campagne intelligente sur l'utilisation de l'Internet des objets, sur le traitement des données aussi, sur la collecte de ces données personnelles. L'idée
a été de non seulement se concentrer sur les aspects physiques de l'Internet des objets, mais de regarder également quelle est l'approche suivie par les utilisateurs, par les consommateurs. Ça serait peut-être très intéressant pour Microsoft en tant que fabricant de logiciels. Est-ce qu'il y a donc des possibilités d'entrer en interaction directe avec les clients pour mieux comprendre leurs préoccupations dans l'ère numérique? Ces appareils ne sont pas les seuls éléments, ils ne sont pas isolés, ils sont connectés et ils sont certainement les maillons les plus faibles dans la chaîne de production de Microsoft. Et éventuellement, ces appareils présentent un énorme risque en termes de sécurité, non seulement pour un seul ménage isolé, mais pour des milliers de ménages partout dans le monde. C'est donc c'était notre idée de départ d'examiner la perspective des consommateurs. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'étude quand vous cliquez sur internetsociety.org et puis on peut chercher la notion Trust Opportunity. C'est donc le titre de l'étude que nous avons réalisée au mois de mai. Et je ne peux que vous la recommander. Merci beaucoup. Chez Mozilla, nous rédigeons chaque année un rapport et nous utilisons un outil qui s'appelle Scripometer qui permet aux consommateurs d'évaluer le degré de préoccupation qui est suscité par tel ou tel objet ou appareil. Donc, à la fin du PageVep, il y a une question. Et la question suivante, est-ce que vous achèterez ce produit, oui ou non? Ou est-ce que vous êtes trop préoccupé par cet appareil? Et vous avez fait le même constat? Vous avez posé la même question? Oui, effectivement. Nous avons identifié un facteur crucial. Dès qu'il y a la plus petite lacune en termes de sécurité, qui est éventuellement seulement détectée après la commercialisation du produit, à ce moment-là, le législateur, le fabricant, le distributeur doivent assumer la responsabilité d'avertir les clients parce que les consommateurs utilisent ces appareils, les familles les utilisent, les enfants les utilisent et il faut donc impérativement combler ces lacunes de sécurité. Et quel est le lien avec la gouvernance d'Internet maintenant? Vous avez donc parlé des déficits de sécurité. Et la notion de sécurité et la notion de vie privée sont très souvent mélangées. Selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux concepts? Parce que vous avez justement abordé le sujet de la sécurité. Est-ce que les appareils qui présentent un surplus en termes de sécurité, est-ce que qui sont équipés de dispositifs de sécurité, est-ce qu'ils sont vraiment plus sûrs? Ça, c'est une très bonne question. Je pense, dans la plupart des cas, c'est pareil, hein. Mais à mon avis, la sécurité devrait quand même répondre à des critères minimums. Les consommateurs devraient pouvoir se fier sur un niveau, sur des critères minimums. Hein. Quand je pense à ma mère, par exemple, elle ne s'attendrait jamais à, ou elle ne consulterait jamais des recherche des rapports pour s'informer vraiment sur les détails d'un produit quelconque. La plupart des consommateurs n'a pas accès à des informations sur la sécurité des appareils en question. Et selon nous, il est important de mieux diffuser l'accès aux informations pour permettre aux consommateurs de prendre une décision bien réfléchie. Il y a par exemple des normes de chiffrage
plus développé. Et aux États-Unis, par exemple, le commerce, la commission de commerce a mené un processus juridique contre un fabricant. Dans le contexte de ce processus, de ces poursuites juridiques, le fabricant était obligé de améliorer les normes techniques, les normes de sécurité de ses produits. Est-ce que vous avez des questions à poser aux deux premiers intervenants de ce panel? Oui, bonjour. On a proposé à plusieurs reprises que les fabricants devaient indiquer une date de péremption sur leurs produits. Et il y en a d'autres qui poursuivent encore une approche beaucoup plus radicale et qui réclament qu'après, qu'au-delà de cette date butoir, les fabricants devraient être obligés de mettre à disposition des logiciels ou des mises à jour pour justement mettre à jour le logiciel concerné et de transférer le logiciel dans l'espace open source. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, adoptons peut-être la perspective du consommateur. Quand je possède un appareil, que ce soit en ligne ou hors ligne, tout d'abord, le appareil doit être sûr. Il doit être équipé ou assorti d'instructions bien compréhensibles, bien lisibles. La grande différence que nous rencontrons dans l'Internet des objets, c'est qu'on ne peut pas plus se limiter à un seul appareil individuel, mais il faut toujours penser au grand contexte, au nuage dans lequel se trouve cet appareil. Puis après, il y a le consommateur. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients du fonctionnement de cet appareil? Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi il s'agit concrètement? Des fois, ils consultent les rankings sur Amazon, par exemple. Mais est-ce qu'on devrait consulter d'autres sources d'informations? Et dès que l'appareil a été acheté par le consommateur, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des problèmes? Est-ce qu'il suffit de consulter les instructions ou est-ce qu'on peut éventuellement entrer en contact directement avec le fabricant? Est-ce qu'il y a un service d'après-vente? Là, je pense notamment aux produits qui changent très souvent de fabricant. Et tout cela, toutes ces questions s'appliquent à tous les appareils qui sont connectés à Internet des objets. Et puis, il faut également regarder l'autre côté, c'est-à-dire adopter la perspective des fabricants. Je pense qu'une date de péremption serait intéressante, serait utile. Donc, mettre à disposition des mises à jour, ça serait quand même intéressant parce qu'il n'y a rien de statistique, de rigide, en fait, sur Internet. Donc, dès qu'on est hors ligne un certain temps, on risque tout de suite de tomber dans des lacunes, de faire face à des lacunes de sécurité. Donc, à mon avis, il faut vraiment prendre en considération les deux perspectives, les deux côtés. D'un côté, les consommateurs, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette initiative Connecting Smart. C'est une initiative qui est très utile, qui permet de s'informer. Et de l'autre côté, nous avons donc les industriels, c'est-à-dire les fabricants et les distributeurs. Et il y a aussi la perspective du législateur qu'il faut également prendre en considération. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en considération. Je pense que c'est un débat, c'est une question très importante, très intéressante aussi, parce que elle nous montre que la technologie peut également être une partie de la solution. Parce qu'en fonction de la programmation du logiciel, on peut arriver à des solutions potentielles.
Et pour un grand nombre de consommateurs, il est toujours très difficile de réfléchir à des solutions parce qu'il y a tellement de niveaux différents. C'est les ménages privés, c'est l'espace public, etc. Mais je voudrais commencer à poursuivre un petit peu parce qu'il y a aussi d'autres intervenants en externe, à distance. Et Benjamin Aginoya de Namibia. Et il a posé la question suivante. Nous sommes une génération d'utilisateurs d'Internet qui aiment partager les informations. Comment assurer la sécurité sur Internet? Comment faire en sorte que la vie privée et les données soient protégées si les jeunes partagent quoi que ce soit? Bon, apparemment, il y a les jeunes qui sont au centre de la question, cette tendance de partager quoi que ce soit. Quel est le lien avec notre sujet? Est-ce que j'ai bien compris la question qui a été posée? Je m'appelle Merritt, je suis chargée de la protection des données et on nous pose ces questions chaque jour. Beaucoup d'êtres humains, qu'ils soient jeunes ou vieux, ont des besoins qui dépendent du contexte. Même les enfants sont déjà capables de protéger une certaine partie de leurs données. Mais qu'en est-il de l'autre côté? Qui se trouve de l'autre côté? Ce sont les parents, les professeurs. Mais quand on souhaite partager une information, on le fait sans réfléchir. Ça fait partie de notre vie sociale. Cela n'est nécessairement pas mauvais, mais être obligé de partager des informations, cela est inconcevable. Ce ne peut et doit pas être notre objectif. Oui, jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé des modèles commerciaux dans ce contexte. Peut-être on peut en parler un peu plus tard, mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter Lily du Ghana. Il y a aussi une présentation. Bonjour à tous. Bonsoir. Je m'appelle Lily Botsoye. Je viens du Ghana et je représente la communauté du Ghana et je représente aussi les valeurs de l'IGF. Je pense que nous voulons avoir une perspective ici très large, une perspective de la Genève aussi, et je veux présenter cela. Nous avons conduit, grâce à plus d'attention, nous avons essayé de faire en sorte de soulever l'attention sur les nouvelles technologies. La première question, c'est de savoir si nous sommes prêts à travailler avec l'intelligence des objets. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, levez vos mains. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. C'est bon. Alors hier, il y a quelque chose qui était très important. C'était la règle de l'Internet des êtres humains. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut défendre les intérêts des êtres humains, c'est-à-dire mettre l'être humain au centre de tout, au centre de l'Internet des objets, au centre de toutes les technologies. Voilà, de replacer la perspective des êtres humains ici. Utiliser tout ce que nous pouvons pour faire en sorte de développer des technologies pour les êtres humains. Et je pense que c'est un pas que nous devons faire afin qu'il y ait plus de sécurité pour les appareils. Maintenant, je vais parler un peu des meilleures pratiques, de la perspective des consommateurs, ainsi de ce que les fabricants peuvent faire et les gouvernements. Et je suis très heureuse car nous avons déjà beaucoup parlé ici, dans cette salle, de ce que nous pouvons faire. Mais vous savez déjà qu'il y a de plus en plus d'appareils connectés.
Il y a de plus en plus d'interconnectivité, de communication entre les appareils, mais parallèlement, il y a plus de risques de cyberattaques et de menaces en ligne. Car la façon dont nous communiquons les données, l'information, tout cela sur le réseau sont de plus en plus importants. Donc je vais présenter des mesures pour le quotidien et la possibilité de mieux partager les données. J'aimerais partager avec vous certains éléments, ce que l'Internet des objets fait aujourd'hui, l'IoT. Nous avons regardé les utilisations industrielles spécifiques plutôt. Par exemple, les données de patients pour les institutions de santé qui sont mises à jour en temps réel et traitées par les appareils de l'Internet des objets dans divers endroits, par exemple en Afrique ou ailleurs. Des endroits où il n'y a pas assez de ressources. La connectivité, l'inclusion, toute cette infrastructure nous permet ainsi d'être connectés. Maintenant, nous allons regarder l'aspect des consommateurs pour l'Internet des objets. Par exemple, nous parlons ici du frigidaire connecté, de tous les appareils de fitness connectés, le smartphone et tant d'autres. Tout est inclus dans un système intelligent, smart home, une maison intelligente. Donc voilà, je présente maintenant l'Internet des objets. Que pouvons-nous faire? Il faut... Certains des problèmes sont la vie privée notamment. Par exemple, protéger l'identité de l'utilisateur ou des éléments qu'on aimerait protéger sur notre vie privée et de ne pas les publier et les montrer à tout le monde. Il faut cependant que la communication continue à avoir lieu et pouvoir juger à quel point nos données peuvent être mises en ligne, que ce soit sur des plateformes de réseaux sociaux ou d'autres. Ce que nous pouvons voir sur les plateformes de réseaux sociaux, c'est par exemple les adresses e-mail et le nom et rien d'autre. C'est une solution. On peut aussi partager notre localisation où nous habitons. Mais à quel point partageons-nous trop d'informations? Et certaines personnes m'ont demandé ce que nous voyons lorsque nous partageons sans cesse des informations en temps réel. Si vous ne voulez pas que ces informations soient publiées, il ne faut pas les inscrire. Il y a beaucoup de risques ici que ces informations arrivent entre les mains de personnes malveillantes, de hackers. Et il y aura un grand potentiel d'attaque. Il faut donc que nous fassions tous des efforts pour réfléchir à ce que nous voulons faire, à notre activité en ligne. Car on le voit souvent, Internet n'oublie jamais. Maintenant, sur cette page, je présente aussi le sujet de la sécurité. Il s'agit de savoir à quel point vos données sont sûres. Si vous utilisez vos données, à quelle fin vont-elles être utilisées? Qui les voit? Qui va en faire quoi? Je me rappelle l'IGF de l'année dernière. Il y a eu toute une session qui a été prolongée à tel point elle était intéressante. Nous avons parlé du sujet de la transparence des algorithmes et du droit à des explications. On veut savoir, par exemple, pourquoi Facebook nous présente une telle suggestion, un tel ami qu'on n'a pas forcément. Cela peut être en raison de ma localisation. Il faut voir quelles méthodes sont utilisées ici. Il faut aussi voir à quel point nos données sont sûres. Comment sont-elles protégées? D'autre part, il y a un autre élément sur cette page dont nous devons voir que l'Internet des objets fait partie de les technologies de l'information. Nous avons le secrétaire général qui en a parlé. Il a dit que toutes les technologies
Il nous faut des réglementations pour toutes ces nouvelles technologies face à leur croissance. Nous voyons à quel point tous les éléments changent rapidement et à quel point nous n'arriverons pas à suivre le rythme de leur croissance, de leur développement. Mais il y a des choses qui doivent être réglementées, régulées avant de perdre le contrôle. Enfin, M. Walid a aussi fait un commentaire très important. Il a fait une recherche. Il a présenté un document que j'ai étudié aussi. Voici les statistiques qu'il nous a montrées. Voilà ce que les personnes voient lorsque l'on parle de la responsabilité pour l'Internet des objets. C'est une responsabilité partagée. On peut penser donc que la vie privée doit être inclue dans toutes les étapes. Réfléchir à la façon dont les valeurs humaines sont protégées. Avoir une meilleure politique de sécurité. Ne pas faire en sorte que cela vienne trop tard. Tout est bien planifié, tout doit être planifié. Et ainsi, nous pourrons mieux protéger la vie privée par défaut. Il faut aussi voir qu'il faut mettre en place des normes plus élevées en matière de vie privée, ce qui aussi est la façon dont nous achetons, par exemple, aussi des appareils de l'Internet des objets, comment les consommateurs les utilisent. L'utilisateur doit aussi être pris en compte. Monsieur Hall l'a dit. Et je pense que c'est très important. C'est que chaque système est humain et tous les éléments pourraient provoquer des grandes ruptures. Il y a tant d'exemples ici. Parfois, peut-être, nous devons tous jouer un rôle ici. Une simple petite fracture, fissure dans un appareil pourrait détruire certaines organisations ailleurs. Maintenant, je voudrais aussi présenter un autre point. Quelles sont les meilleures pratiques d'un point de vue du consommateur, un point de vue personnel, afin que nous nous rappelions tous de cet élément, voir toutes les possibilités. En effet, l'Internet des objets offre de grandes perspectives et c'est pour cela que l'avenir est très excitant. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à cet avenir? Depuis l'IGF 2018, nous avons publié plusieurs hashtags pour enseigner à tout le monde comment mieux utiliser nos appareils. Je vais présenter ce que vous avez fait en ligne. Je suis heureuse de savoir que les personnes qui ont développé cela sont ici aussi, dans cette salle. Tout d'abord, il ne faut pas connecter son appareil si nous n'en avons pas besoin. Je l'ai vu déjà lors de l'IGF l'année dernière. L'utilisation de la technologie et de l'Internet est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Nous devons donc ici utiliser nos appareils. Par exemple, si vous avez besoin d'aller quelque part, vous avez besoin de votre localisation. Sinon, vous n'en avez pas besoin en permanence. Vous ne savez pas qui récolte vos données, dans quel pays, qui étudie tous les mouvements que vous faites. Il faut aussi faire en sorte de mettre en place de meilleures politiques. Personne ne branche un appareil, un ordinateur, sans savoir ce qui se passe. Il faut y avoir des règles à chaque étape qui montrent ce qui est autorisé ou non. Il faut aussi créer un réseau séparé pour les invités. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier dans le cas des organisations internationales, mais aussi chez nous. Sinon, nous pouvons offrir la possibilité à toute personne de faire tout ce qu'il veut sur notre propre réseau.
Il faut donc de nouveaux réseaux pour les inviter chez nous au bureau pour savoir ce qu'ils font. On ne peut pas le répéter assez, cet élément, cette fois. Et je dois le dire, moi, j'ai déjà utilisé un grand nombre de mots de passe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver de bons mots de passe et des mots de passe différents pour chaque appareil. Nous avons un grand nombre de mots de passe. C'est difficile pour moi de l'expliquer, mais je ne sais pas exactement ce qui peut être partagé. Si vous avez, par exemple, des réservations, vous devez trouver des bons mots de passe. Vous devez avoir des mots de passe tout à fait très différents et pour chaque appareil. Je l'ai déjà évoqué maintenant, ce point. Il faut éteindre tous les appareils plug and play qui peuvent être vulnérables sur votre système. Si vous connectez, par exemple, à la Wi-Fi ou si vous connectez d'autres éléments, si vous êtes connecté à un port USB par exemple, vous devez être capable de le couper aussi. Vous devez aussi avoir maintenant un pare-feu. Vous devez avoir les dernières mises à jour des logiciels, surtout pour vos entreprises. Nous nous essayons, nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne faisons rien tant qu'il n'y a pas un problème. Nous réagissons toujours aux problèmes, mais je voudrais que nous soyons proactifs, c'est-à-dire que nous mettions, que nous installions toutes les mises à jour nécessaires pour mieux utiliser les bénéfices de l'Internet des objets, pour que ce soit un avantage pour nous aussi, surtout lorsqu'on veut travailler et qu'on est tourné vers l'avenir face à la quatrième révolution industrielle. Maintenant, il faut aussi que nos appareils personnels ne soient pas au travail, protéger notre vie personnelle. Nous savons tous ces éléments. Voilà ce que je voulais partager. Partager les meilleures pratiques. Et vous pouvez voir cela en ligne. Le futur est très intéressant. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à cet avenir? C'est bon. Merci. Le prochain orateur maintenant. Merci Lily. Wahyudi Jafar de l'Indonésie, qui représente l'Institut pour la recherche et la défense, ADFAM. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité. J'ai vu donc toutes les expériences que nous avons faites en matière d'utilisation de l'Internet des objets en Indonésie, en matière de sécurité et de vie privée, de la protection des données dans le cadre de l'utilisation de l'Internet des objets. Tout d'abord, je vais commencer avec un résumé, une mise à jour de la situation actuelle en Indonésie, en plus particulièrement dans le domaine de l'Internet des objets. Si vous le savez, le gouvernement de l'Indonésie vient de mettre fin à un nouveau projet pour tout le pays, de l'Est à l'Ouest, avec trois plateformes. Cette infrastructure va pouvoir avoir une grande influence pour tous les utilisateurs d'Internet en Indonésie pour pouvoir développer une nouvelle plateforme Internet avec l'Internet des objets. Voilà ce qui est dit par le gouvernement. D'ici jusqu'à 2019, nous aurons aussi en Indonésie une association qui va présenter 171 millions des 267 millions d'Indonésiens qui vont être connectés à Internet grâce à cette mesure. Mais avec cette plateforme, nous allons adopter des appareils qui utilisent l'Internet des objets.
C'est une plateforme qui a été développée en 2019, mais nous voyons qu'il y a encore moins de 10% de personnes qui utilisent d'entreprises qui utilisent cette plateforme. Jusqu'à 2024, nous avons un programme pour que le développement de la transformation numérique soit une des priorités de l'économie indonésienne et de nos services. Les gouvernements, pour les 5 prochaines années, le gouvernement de l'Indonésie a fixé une priorité. Comment pouvons-nous numériser le monde et l'économie numérique? Quelle est l'utilisation de l'Internet des objets en Indonésie jusqu'ici? Pour l'instant, nous voyons le développement de plusieurs infrastructures numériques dans divers secteurs, par exemple dans le domaine de l'agriculture, par exemple dans le domaine des produits phytosanitaires, ainsi que pour l'alimentation des poissons automatiques et d'autres domaines, dans la ville intelligente, dans la domotique par exemple aussi. Le gouvernement va lancer un nouveau programme. Nous aurons 100 villes modernes qui... Il y aura aussi le développement d'une plateforme de l'Internet des objets pour l'industrie, pour automatiser les décisions prises. Nous allons avoir aussi le développement des villes intelligentes, les villes en Indonésie, qui utiliseront les plateformes pour une meilleure gestion du trafic. Nous voulons aussi installer des caméras de surveillance pour surveiller les activités des citoyens en temps réel. Mais à Jakarta, nous avons près de 7000 caméras qui sont équipées avec des technologies de reconnaissance faciale, par exemple, pour reconnaître, par exemple, des criminels. Ces caméras de surveillance pourront donc identifier les criminels grâce à des systèmes, une base de données sur la population. Quels sont les défis de l'Internet des objets en Indonésie? En Indonésie, nous voyons 3 grands défis. Tout d'abord, la réglementation. Deuxièmement, les infrastructures. Et troisièmement, les ressources humaines. En matière de vie privée, de protection des données, nous avons de grands défis. Maintenant, pour la réglementation, le gouvernement indonésien a identifié au moins 3 problèmes. Tout d'abord, le problème des fréquences et des standards de fréquence dans l'utilisation de l'Internet des objets. Deuxièmement, l'utilisation des technologies et de contenus locaux. L'Indonésie a mis en place une nouvelle réglementation avec le ministre de la Gestion et de la Réglementation pour une meilleure utilisation de la technologie. Nous voulons que les produits de l'Internet des objets puissent être mieux diffusés, notamment dans le cadre avec les gouvernements locaux. Le gouvernement dit aussi au sujet des infrastructures que cela permettra de surmonter les problèmes infrastructurels. Le plus grand défi de l'Internet des objets, c'est la vulnérabilité des données concernant la vie privée et de la sécurité de données. Jusqu'à aujourd'hui, il nous faut une loi sur la cybersécurité. Pendant 2018, nous avons eu près de 232 millions de cyberattaques en Indonésie, à au moins, dont près de 1 million de 32 attaques malveillantes. Nous avons un grand nombre de startups numériques aussi en développement. Cependant, il y a une loi
qui donne un mandat à de nouvelles institutions pour mener des enquêtes sur ces crimes. Le plus grand problème pour l'Indonésie, c'est de faire face au rythme de développement des technologies afin de s'assurer que la protection soit meilleure dans le domaine de la protection des données. Donc, enfin, il y a 32 lois sur la protection de la vie privée, mais souvent, elles se ressemblent un peu trop et ne sont pas assez distinctes. Parmi les institutions du gouvernement, nous voyons un trop grand sectoralisme, et il n'y a pas d'enquête suffisante face aux violations de la vie privée. Le gouvernement de l'Indonésie doit finaliser une législation qui doit être discutée par le Parlement. Et une loi doit être développée pour une nouvelle législation de protection des données. Parallèlement, il y a encore une division qui n'est pas tout à fait claire sur la responsabilité en matière de cybersécurité. La plupart des institutions de l'État ont une responsabilité de traiter elles-mêmes et de résoudre les défis et les problèmes auxquels elles ont à faire face. Il n'y a pas encore de définition de la part du gouvernement. Nous devons devenir plus résilients et avoir de nouvelles initiatives pour l'innovation et pour la cybersécurité pour le public. Nous voulons mieux protéger la vie des citoyens. Le gouvernement va donc mieux contrôler le trafic des données et réétudier les propositions du Parlement. Le problème encore, c'est le manque de prise de conscience de la part du public pour faire en sorte de mieux protéger la vie privée et les données. La sécurité des données et de la vie privée devient un des sujets les plus importants pour l'Indonésie et un des plus grands défis. Pour conclure, les utilisateurs d'Internet doivent agir et il doit y avoir aussi de nouvelles réglementations et de nouvelles politiques qui étudient mieux le problème et l'aspect des droits de l'homme pour garantir la sécurité individuelle, le protocole, les appareils, les données et le réseau. Les êtres humains doivent être au centre de la politique car ce sont les premières victimes des cyberattaques. Les droits de l'être humain sont donc essentiels et nous devons avoir une approche centrée sur l'être humain. Pour l'Indonésie, nous avons besoin d'une initiative avec une nouvelle loi qui stipule comment mieux protéger la vie privée. Et cela dans le respect des droits de l'homme internationaux et des standards internationaux. Nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous aurons une loi pour la protection des données, une loi compréhensive, inclusive et qui concerne aussi la cybersécurité. Nous devons protéger notre vie privée et la sécurité numérique. Merci beaucoup. Vous n'avez pas mentionné ce que votre organisation fait, car vous êtes manifestement un acteur de la société civile. Donc, que fait ELSAM? ELSAM, l'Institut de recherche et de plaidoyer, est un organisme qui se concentre sur les droits numériques. Et nous avons une approche multipartite en Indonésie avec les institutions gouvernementales, le secteur privé. Et l'objectif est de contrôler la mise en œuvre des législations pour réduire le risque
des lois et des règlements, tant parce que l'expérience passée est que si le gouvernement et le Parlement réfléchissent à la mise en œuvre de la loi, eh bien, les choses peuvent être très complexes. Et il est important d'inclure la société privée en ce qui concerne notamment les problèmes de protection de la vie privée. La situation dans laquelle vous êtes est une situation similaire à de nombreux pays, à savoir que le gouvernement et les fabricants, les prestataires de services avancent avant même de mettre en place une législation pour protéger les données personnelles. Donc, nous allons discuter de la protection des données en Allemagne, pays dans lequel nous nous trouvons. Et à présent, nous avons une intervention de Marit Hansen. Elle a une présentation qu'elle va nous faire. Et elle est responsable d'un centre indépendant pour la protection des données en Allemagne. Merci beaucoup. Je suis le commissaire de la protection des données du Schleswig-Holstein. Nous avons un système fédéral en Allemagne et c'est la raison pour laquelle il s'agit en fait de l'État fédéré situé au nord de l'Allemagne. Et nous allons même voir dans un instant où il est situé, ce land du Schleswig-Holstein. C'est intéressant. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais en tout cas, vous voyez le ULLD, Unabhängiges Datenschutzzentrum vom Schleswig-Holstein. Donc, manifestement, la présentation fonctionne et je ne peux absolument rien faire. Ça ne fonctionne pas. Ah, nous le voyons à présent. Très bien, nous y voilà. L'État fédéré, le plus au nord, et malheureusement, il manque le texte sur les transparents à présent. C'est intéressant. Manifestement, il manque une partie de ma présentation, mais qu'importe. La présentation sera disponible en ligne ultérieurement et je vais vraiment me concentrer sur les parties intéressantes. Donc, je fais partie des organismes de régulation, l'un des nombreux organismes européens et en particulier en Allemagne, dans cette partie donc au nord de l'Allemagne. Vous voyez où se trouve Berlin et nous sommes donc tout au nord. Et j'aimerais vous parler bon, malheureusement, vous n'avez que les illustrations et pas le texte. Mais pour ça, c'était une situation normale, à savoir qu'il y a de très nombreuses personnes et il y a le traitement des données dans le brouillard. Vous ne savez pas ce qui se passe et vous avez de grands bâtiments. Et il s'agit d'une question de déséquilibre de pouvoir. Et c'est la motivation principale pour la protection des données et très souvent également pour des raisons de protection de la vie privée. Et notre idée principale, ce n'est pas la sécurité des actifs, mais la perspective des individus. Une chose dont on discute beaucoup, c'est le règlement général sur la protection des données. Et il est mentionné de la protection des droits fondamentaux et de la liberté des utilisateurs et de la protection des données personnelles. Vous voyez tout le texte que vous ne voyez pas à présent. Il s'agit également de non-discrimination sur la protection des données personnelles. Il s'agit de la liberté d'expression, de la liberté de réunion, et tout cela fait partie des droits et des libertés au niveau européen. Espérons que nous voyons quelque chose ultérieurement. Le format universel qui avait été demandé était JPAC. Bien, en tout cas, nous voyons enfin quelque chose. Et comment mettre les choses en œuvre? Nous avons parlé de sécurité, nous avons parlé de la confidentialité, d'intégrité, de disponibilité. Et il s'agit en fait des objectifs de protection. Et vous voyez qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Le fait qu'il faille séparer ces différentes parties, qu'il n'y ait pas de lien. Donc, il faut que les différents éléments soient séparés et c'est la raison pour laquelle c'est un aspect qui n'est rarement
considérer. À l'inverse, donc, la question est de savoir, c'est dans quelle mesure est-ce que ça peut être rattaché à la personne et aux autres données disponibles. Par exemple, lorsque vous avez également la possibilité d'être reconnu automatiquement. Donc, il faut qu'il y ait cette capacité de séparer les différents ensembles de données. Et c'est une question également de séparation des pouvoirs, qui est une chose nécessaire, il me semble, dans les sociétés démocratiques. Et c'est quelque chose qui doit se refléter également dans la technologie. L'autre chose qui manque souvent à la droite, c'est la transparence. Que nous soyons en mesure de comprendre les choses. Nous avons déjà entendu les statistiques, à savoir que souvent les personnes n'ont pas conscience de ce qu'il se passe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes ont le sentiment que quelque chose leur fait un peu peur, les inquiète, ça n'est pas compris, c'est caché, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il est, vous ne comprenez pas, même si vous lisez les différentes politiques de protection des données personnelles. Manifestement, nous avons ici quelques difficultés. Et en particulier avec l'Internet des objets, et avec l'intelligence artificielle, cela pose de nouvelles questions. Et le troisième aspect, c'est sur la gauche également l'interopérabilité. Lorsqu'il s'agit de désactiver les capteurs de l'Internet des objets, ça ne va pas de soi, car très souvent, il n'est pas clair. On ne sait pas comment désactiver les choses, et souvent, les fabricants ou les prestataurs de services n'offrent pas de désactiver les choses. Donc ça, c'est quelque chose où il faut intervenir pour changer quelque chose, en particulier dans le cas d'erreur, mais également, je ne souhaite pas être observé si je souhaite désactiver ma maison intelligente, eh bien, c'est quelque chose qui devrait être possible. Ah, à présent, nous voyons que certaines transparences sont meilleures que d'autres, mais je ne souhaite pas tant discuter avec vous de cela. Donc, il s'agit de pouvoir contrôler les choses. Mais parfois, il est nécessaire également pour les États, pour les villes intelligentes, de profiter des données. Et ce n'est pas une option de pouvoir tout désactiver, bien entendu, si l'on part du principe que les droits de protection des données et que les autres droits soient garantis. Parce qu'autrement, si tout le monde le demande, je ne pense pas que tous les capteurs en fait, nous posent la question et que nous ayons besoin de réagir à tous. Parfois, il est nécessaire, par exemple, si vous souhaitez avoir une synthèse de ce qu'il se passe dans le monde, il peut être inclut certaines statistiques, certaines informations agrégées. Et la question est de savoir est-ce qu'il est possible de les activer ou pas, et si ce n'est pas possible, dans quelle mesure est-ce que les droits sont protégés? Généralement, il ne faut pas que ce soit des données personnelles ou il faut que ce soit garanti qu'il y ait une protection suffisante. Une chose que nous n'avons pas encore vue encore, ce n'est pas le problème technique. Je suis informaticien ou informaticienne moi-même, mais nous avons des problèmes sociétals, sociaux, avec l'Internet des objets. Et on a vu de nombreux cas d'enfants qui se promènent dans leur classe avec des montres intelligentes, pas parce qu'ils sont particulièrement intelligents, pas parce qu'ils souhaitent profiter de la technologie et vérifier sur des sites Internet, non, parce que leurs parents souhaitent activer un contrôle vocal, essayer d'écouter les cours et voir comment est-ce que les enseignants traitent leurs enfants. Donc, les gens ont une montre intelligente et c'est utilisé en fait comme un moyen de contrôle de la part des parents car ils souhaitent protéger leurs enfants. Et les enfants sont tracés par GPS et les autres enfants et les enseignants sont contrôlés car peut-être que les parents estiment qu'ils ne traitent pas suffisamment bien leurs enfants et les parents peuvent intervenir en disant, eh bien, vous, le maître, ne faites pas cela à l'avenir. Soyez plus gentil avec mon enfant. Et lorsqu'on est interpellé en tant que législateur, eh bien, nous disons que la classe, si l'enseignant ne souhaite pas être observé, si les autres enfants ne souhaitent pas l'être, eh bien, ça ne devrait pas être la norme. Et donc, les montres intelligentes doivent être enlevées au préalable, avant le cours. Et par exemple, les soignants, les prestataires de soins, les familles ne vont peut-être pas suffisamment voir leurs parents et elles souhaitent s'assurer que les personnels de soins traitent bien leurs patients. Et eux aussi
contrôlent ce qui se passe avec les membres de leur famille qui sont patients dans un hôpital, par exemple. Et des technologies similaires sont également utilisées par les employeurs. Nous voyons que les possibilités de contrôle et d'observation sont également utilisées et que les personnes partent du principe que c'est un acquis, que c'est leur droit, parce qu'ils doivent protéger leurs enfants ou protéger leur grand-mère et que c'est un acquis pour eux. Ce n'est pas la façon dont les choses devraient se faire. Et je pense qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses et nous avons négocié en fait les règles de cohabitation. Et nous voyons que les maisons intelligentes ne sont pas forcément attaquées par ces personnes de l'extérieur, comme Bénédicte nous l'a dit. En fait, les mauvais acteurs venant de l'extérieur, c'est parfois les administrateurs, par exemple votre épouse, votre époux, les parents ou les enfants qui gèrent cette domotique et qui contrôlent par exemple le chauffage, l'éclairage, comme ils le souhaitent et pas forcément comme vous le souhaitez. Ou qui souhaitent fermer les portes pour vous empêcher de rentrer. Ou que d'autres souhaitent inviter à entrer et que vous ne puissiez pas les exclure. Donc c'est également une question de déséquilibre de pouvoir. Et ça, ce n'est pas quelque chose où le règlement sur la protection des données ne peut pas faire parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'organisations qui traitent les données personnelles ou les capteurs, par exemple, de mauvaise façon, mais c'est souvent un jeu de pouvoir qui se fait lorsqu'il y a des victimes, par exemple, de harcèlement. Il ne faut pas l'oublier, même si le niveau de sécurité est très élevé, eh bien, l'administrateur peut contrôler, bien entendu, certaines choses, mais qu'en est-il de la transparence et de la possibilité des victimes d'intervenir? Revenons à mes transparents. Ma conclusion, c'est que nous avons tellement de possibilités pour développer de meilleures technologies. Et par exemple, il peut y avoir des paramétrages de vie privée par défaut. Il y a la possibilité également donc de mettre en place de nouveaux paramétrages, et ce, dans l'ensemble de l'Europe. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais très souvent, ça ne s'adresse pas en fait aux fabricants, mais aux contrôleurs. En fait, uniquement ceux qui utilisent les données à leur propre fin. Et toute la discussion sur la fiabilité n'a pas encore été close. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de bonnes incitations pour améliorer la situation. Par exemple, s'il y a une violation, tout le monde promet que cela ne se reproduit pas et le lendemain, nous avons la prochaine violation. Je suis convaincue que les choses pourraient être mieux faites, mais je ne pense pas que tout sera résolu en fait dans un an, mais je pense qu'il faudrait avoir de meilleures incitations et je vais en rester là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous avons entendu parler de la sécurité, de la vie privée, nous avons entendu parler de surveillance. Et pour vous donner une perspective africaine, nous avons parmi nous Michael Igiebo. Bon après-midi à vous tous. Je sais que vous êtes fatigués. Et c'est certainement la dernière séance de la journée, donc je vais essayer d'être très bref. Je me suis fixé 5 minutes. Voyons si je peux être encore plus rapide. Je m'appelle Michael Igiebo et je travaille pour la police zambienne. Et je suis un analyste dans le domaine de la forensique numérique et je me penche également sur le cybercrime. Et je me suis penchée donc sur l'Internet des objets. Et en fait, il faut toujours prendre les deux côtés de la façade parce que vous avez la perspective européenne et la perspective africaine. De la perspective européenne, cela a permis d'appliquer la loi et à savoir que tout a été fait en fait dans l'objectif d'appliquer la loi. Et cela permet de recueillir les preuves. Mais si vous prenez la perspective africaine, ça n'a pas été si facile que cela. En particulier, si vous comprenez la législation déjà. L'Internet des objets est une technologie qui permet de connecter de nombreux objets à Internet. Et cela signifie tout simplement que si vous enquêtez sur un crime et que vous cherchez des preuves, la majorité des preuves sur ces appareils sont généralement connectés
à un nuage qui a souvent la possibilité, parce que ces objets ne peuvent pas stocker même l'information, ces informations sont stockées en nuage. Et c'est la raison pour laquelle cela a été un défi considérable. Par exemple, une voiture autonome. Prenons cet exemple. Par exemple, Tesla et sa voiture autonome. J'imagine que si je devais rentrer avec une voiture autonome et si je lui permettais de passer par le centre-ville sans un conducteur, je ne sais pas comment est-ce que les personnes verraient la chose, parce qu'on a l'habitude de voir une voiture avec une personne au volant. Et j'imagine bien que si vous passez un point de contrôle de la police, eh bien, les policiers verraient une voiture, mais il n'y aura plus de personne d'humain à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en Afrique, vous voyez une voiture arriver, vous êtes un officier de police en service, et vous voyez qu'il n'y a pas de conducteur. Et il a été programmé pour identifier un obstacle. Donc, c'est un véritable défi. Imaginez que cette voiture... et se retrouve en fait prise dans un accident. Qui va être tenu responsable? Car même si l'Internet des objets a pénétré les marchés africains, eh bien les lois, la législation générale et la gestion des Internet des objets, eh bien ça n'a pas été encore pris en compte dans les législations africaines. Vous avez les preuves, mais la question est de savoir quelles sont les lois qui vont s'appliquer pour que ces preuves, par exemple, soient admises devant les tribunaux. C'est la raison pour laquelle, pour intégrer l'Internet des objets, il va également falloir que nous ayons une législation qui nous permette de pouvoir inclure donc ces preuves générées par des appareils qui seront sur le marché et ces équipements de l'Internet des objets. Pour un policier africain, l'appareil auquel ils ont accès dans l'Internet des objets, souvent c'est une montre intelligente ou un équipement mobile, un appareil mobile. Beaucoup de personnes ont des téléphones, des télévisions intelligentes, mais ces télévisions intelligentes n'ont pas de connexion à Internet. Les personnes achètent des équipements de Google Home pour pouvoir utiliser leurs applications, mais souvent ces choses ne sont pas intelligentes sans connexion Internet, parce que ces choses ne sont intelligentes que si elles ont un accès à Internet. Et donc, de la perspective de la police, eh bien, ça s'est avéré être un défi considérable. Par exemple, lorsqu'on vous donne un appareil de Google ou d'Amazon, et vous devez en extraire les informations. Par exemple, Amazon Echo Dot ne vous donne pas la possibilité de pouvoir consulter les informations qui sont stockées. Vous devez les contacter directement. C'est iTunes. Bon, quel que soit le compte ou le contre Google, si vous utilisez donc le Google Mimi Home. Donc, l'introduction de l'Internet des objets sur le continent africain s'est avérée un défi considérable dans la façon dont nous menons nos enquêtes et que nous luttons contre la criminalité, notamment concernant la reconnaissance faciale, par exemple. Vous avez également des lois sur la façon dont les données collectées peuvent être utilisées. Donc la question est de savoir est-ce que ces preuves vont être reconnues comme étant légales ou pas devant les tribunaux. Et ce n'est pas forcément le cas. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez l'Internet des objets, il faut voir les deux faces de la médaille. Il faut prendre la perspective africaine parce qu'en Europe, vous avez la perspective occidentale, la perspective européenne. Et il faut également prendre en compte la perspective africaine. J'aimerais juste poser une autre question parce que vous n'avez pas encore exploité à fond le temps de parole. Donc, le développement en Indonésie, où on essaie de renforcer l'utilisation des nouvelles technologies, est-ce que c'est une nécessité que vous partagez?
Est-ce que vous dites aussi que, bon, de toute façon, la technologie va résoudre nos problèmes pour la police, pour les autorités de poursuite? Est-ce qu'il y a une certaine forme de pression d'installer encore plus de caméras de surveillance? Est-ce que c'est un processus qui se passe trop rapidement? Bon, la loi, on l'a toujours à la tête, en fait, parce que normalement, il y a un problème qui soulève, puis on réfléchit sur une solution potentielle, et puis il y a la loi. Et dans la plupart des cas, on ne peut même pas suivre le rythme de l'évolution technologique. Donc, ce n'est pas un problème qui est spécifiquement typique pour l'Indonésie. Cette problématique, ça s'applique à l'ensemble des continents, des pays. La plupart des gouvernements sont capables de promouvoir les technologies sans pour autant procéder à des régulations. Bénédicte, est-ce que vous pouvez imaginer un monde dans lequel les fabricants ne commercialisent leurs produits que dans des pays qui disposent d'une régulation très très forte? Bon, moi je pense que tous les consommateurs devraient pouvoir bénéficier de ces technologies, mais en même temps, il faut les protéger. Microsoft n'est pas une entreprise qui a été élue démocratiquement, donc nous ne devrions surtout pas fixer des règles. Mais si ces technologies sont diffusées si rapidement et quand il y a tellement d'utilisateurs qui les utilisent, il faudrait quand même que les représentants élus devraient faire en sorte que les utilisateurs soient protégés correctement. Je pense aussi que les gouvernements devraient faire preuve de plus d'action. C'est un processus qui devrait impliquer tous les acteurs, l'industrie, le secteur privé, etc. Et les consommateurs n'ont pas de voix, ils sont plutôt écoutés et placés sous écoute. Ça, c'est bien le contraire. Oui, très souvent, on dit que les autorités de sécurité n'ont pas suffisamment de connaissances, capacités ou connaissances techniques pour résoudre ces problèmes. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, très souvent, on reproche aux autorités de sécurité qui ne disposent pas de suffisamment de connaissances technologique, hein. Parce que pour pouvoir bien comprendre une technologie, il faut quand même avoir des connaissances spécifiques. Et quelle est votre réaction vis-à-vis de ce manque de déficit de connaissances? Oui, donc je vais vous donner un exemple de mon pays. En fait, à l'heure actuelle, il y a des approches dans beaucoup de pays selon lesquels il faut régulariser l'intelligence artificielle. Nous, on n'a même pas commencé à lancer un tel processus. Et c'est surtout le secteur privé, ce sont les entreprises qui veulent commercialiser leurs produits, qui veulent générer des bénéfices et qui veulent remplacer leurs salariés par des machines. Et ils le font pour baisser leurs coûts. Et donc, par conséquent, dans 2 ans, ou pendant 2 ans, ou après 2 ans, on constate que dans les banques, par exemple, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de guichets auxquels on peut s'adresser. Et les appareils et les technologies existent déjà dans les pays concernés, mais c'est seulement après qu'on commence à procéder à des régulations. Et donc les gouvernements commencent trop tard, mais si la technologie n'a même pas atteint le pays, il est encore plus difficile de réguler les choses. C'est carrément impossible. Chez nous, quand moi j'importe une voiture, je dois payer pour cette importation. Je dois même payer beaucoup.
Tout d'abord, je dois payer la taxe sur la carburant, puis s'ajoute à cela la taxe sur le CO2. Et c'est seulement après avoir acheté 10 ou 20 voitures qu'on commence à y réfléchir. Quelle est votre perspective? La perspective européenne, donc je vous invite de prendre la parole. Veuillez utiliser le micro. Mais moi aussi, j'aimerais prendre position. Je pense que ce n'est pas seulement la technologie qui est opposée aux autorités de régulation. Il faut également penser à d'autres facteurs. Je pense qu'il faut rendre la coopération plus attrayante. Bien évidemment, c'est également une question de financement, de sécurité aussi et de personnel aussi, mais c'est surtout une question de compréhension mutuelle. Et pour moi, il semble que ça, c'est le problème principal. Si vous étiez à l'université, si vous avez suivi une formation professionnelle, on est trop souvent limité à son propre champ d'activité. Et très souvent, on a des approches, des perspectives très différentes et très souvent, on a un sentiment de discrimination uniquement à cause d'un malentendu potentiel. Donc tout d'abord, il faudrait plutôt opter pour une approche pluridisciplinaire. Parce que cela nous permet de trouver de meilleures solutions. En Allemagne, il n'y a toujours pas d'équité en ce qui concerne le paiement, donc le revenu pour les femmes et les hommes. Et donc, effectivement, il n'est pas très attractif de travailler auprès des autorités de régulation où on ne s'attend pas forcément à une bonne formation dans une telle autorité. Et très souvent aussi, les gens sont réticents vis-à-vis un travail qui fait recours aux technologies. Très souvent, ce sont les universités qui ont un grand avancé. Et ça, c'est également un problème. Il faut impliquer la société civile, les autorités de régulation veulent mettre en œuvre les régulations. Et peut-être il y a tout simplement un retard. Et très souvent, il y a tout simplement un manque d'intégration, un manque de participation des personnes et des acteurs concernés. Bon, effectivement, on a parlé des consommateurs en tant que citoyens. Et nous avons l'habitude de discuter sur l'Internet comme étant une interface entre la vie privée et la vie publique, qui est quand même assez floue. Et cela a aussi des conséquences sur la vie privée et sur les familles. Donc un enfant qui se bouge dans un univers connecté va avoir un certain comportement qui aura des effets sur son contexte social. Je voudrais maintenant m'adresser à ma collègue du Ghana. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des règles fondamentales pour le comportement, pour l'utilisation des appareils techniques? Oui, c'est très intéressant de m'avoir posé cette question. En ce qui concerne le Ghana, je peux vous dire que effectivement, il y a un nombre croissant d'espaces ouverts et de communautés dans lesquelles les citoyens peuvent travailler sur ces appareils. Et à mon avis, ça, c'est une très bonne approche. À Accra, par exemple, on a organisé deux manifestations au cours desquelles nous avons essayé de renforcer ce développement. Nous avons coopéré avec Mozilla Open Leaders et la Fondation Python. Et en fait, ce que nous faisons lors de ces événements, c'est de réunir les jeunes, les utilisateurs, et de leur faire découvrir ce qui se passe au reste du monde pour en tirer des leçons.
Nous avons compris que les dispositions, les informations existent, qui sont à notre disposition, mais il faut quand même proposer un accès à ces informations, c'est-à-dire un accès à Internet. Donc, on revient à ce point de départ. Donc, nous avons des informations des villes, et après, il faut se poser la question de savoir qu'en est-il des régions rurales. Là, on pense par exemple, quand on verrait une voiture autonome, on penserait tout de suite à une magie, à une, à quelque chose de surnaturel. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'atteindre un maximum de personnes et d'individus. Et en ce qui concerne la régulation, c'est effectivement comme vous l'avez dit, le Ghana a adopté une législation sur la protection des données qui prévoit que chaque individu qui traite les données personnelles d'un autre individu doit être enregistré auprès d'une agence qui surveille le traitement des données. Mais est-ce que nous pouvons vraiment être sûrs que les personnes concernées respectent cette obligation? Donc, effectivement, cette loi existe, mais cette loi à elle seule soulève encore plus de questions, pour être vrai, pour être franc. Le règlement sur la protection des données joue également un rôle dans les relations commerciales. Il faut le respecter. Et la protection des données est donc bien ancrée dans la législation. Cela montre à quel point il est essentiel de respecter les règles de protection de données sur Internet. Je répète encore une fois, si jamais vous avez une question, veuillez lever la main. Voilà, allez-y. Vous pouvez vous présenter brièvement, si vous voulez. Bonjour, je suis chargée de la protection des données. Je m'appelle Klaus et j'ai une question à poser à nos invités africains. Je pars du principe que dans vos pays, on utilise un nombre très élevé de téléphones mobiles, mais peut-être un nombre moins élevé de smartphones. Qu'en est-il de l'aspect de sécurité dans cette utilisation? Je pense que mon collègue en sait un peu plus parce qu'il est expert en la matière. De mon point de vue, de ma perspective, je peux vous dire que nous avons contacté un membre de la police du Ghana et qui nous a fait un discours sur les statistiques, sur les crimes qui ont été perpétrés à l'aide de téléphone portable, de smartphone. On a constaté que le nombre de ce crime augmente chaque année on a rencontré énormément de cas où quelqu'un appelle une autre personne en lui disant il faut virer une certaine somme pour résoudre un problème technique. Donc tout de suite on constate qu'il y a eu un crime, mais comment punir l'auteur de ce crime s'il y a un manque de preuves? Et au Ghana, nous avons effectivement un service spécialisé auprès de la police qui est spécialisé sur les crimes en ligne. Mais cela nécessite effectivement le recours à des procédures très compliquées, très nombreuses. Au Ghana, nous nous éloignons un petit peu des ordinateurs classiques pour opter plutôt pour les smartphones qui sont beaucoup plus accessibles. Tout un chacun peut s'en servir. Et pour les autorités de poursuite pénale, cela signifie qu'il y a énormément de travail à faire. Nous avons des experts de la police qui sont spécialistes de crimes en ligne. Et c'est quand même quelque chose de très compliqué. Et ces procédures méritent beaucoup d'attention. En ce qui concerne la Zambie, les téléphones portables ou les smartphones
sont beaucoup utilisés. Il y a bien plus de smartphones que de téléphones portables classiques. J'aimerais vous donner une double réponse. Premièrement, tout d'abord, il n'y a pas d'obligation d'enregistrement lorsqu'on achète un smartphone. Par contre, lorsqu'on achète une carte SIM, il faut, selon la législation, s'enregistrer. C'est-à-dire, les fournisseurs d'accès doivent connaître l'identité du client. Ils doivent avoir une photo et des informations biométriques. Et dès qu'on constate qu'il y avait un crime qui a été perpétré, on peut tout de suite identifier le numéro de téléphone et accéder aux informations biométriques, c'est-à-dire les données connectées à votre photo sont tout de suite associées aux données personnelles. Dans notre pays, il y a énormément de transactions qui sont réalisées par smartphone. Ce sont des services de paiement mobile qui sont beaucoup fréquentés, utilisés dans notre pays. C'est-à-dire, on peut dire en quelque sorte le smartphone et le portefeuille des gens, des citoyens. Et maintenant, la deuxième moitié de ma réponse, plutôt dans une perspective de sécurité, une approche sécuritaire. Ici, j'ai mon téléphone portable avec une application. Maintenant, il y a éventuellement une lacune et puis on me propose une mise à jour. Et en Afrique, il y a très peu de gens qui téléchargent régulièrement les mises à jour qui sont mises à disposition. Cela est également vrai pour les patchs. Hein. Si vous téléchargez un gigabyte de données, c'est très coûteux. Donc, par ce conséquent, les gens ne savent même pas quelle est la valeur et le prix de ces patchs et quelle est l'importance de ces patchs. Donc, le problème des coûts élevés est en même temps un problème de sécurité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons parlé des autorités de régulation qui n'ont éventuellement pas suffisamment de connaissances techniques. J'aimerais savoir si en Indonésie, concernant les plans concernant les villes intelligentes, est-ce que vous avez identifié des défis particuliers pour obtenir plus de soutien de la part de la société civile? Et qu'est-ce qui vous manque pour faire valoir la voix du peuple, la voix des citoyens? D'après notre expérience, le gouvernement réagit dans un premier temps de manière tactique ou stratégique plutôt à une nouvelle technologie. Puis dans un deuxième temps, on procède à la régulation. Et très souvent, cela se traduit par une limitation des droits des citoyens. Et puis, les groupes concernés essaient de mesurer l'effet de cette nouvelle législation. Dans un grand nombre de cas, les nouvelles technologies sont synonymes de limitation des droits des citoyens. C'est la raison pour laquelle la société civile essaie de faire des recommandations aux autorités de régulation et au gouvernement, parce que très souvent, le gouvernement ne comprend pas suffisamment quels sont les effets concrets des nouvelles technologies ou des mesures de régulation. Et donc, nous essayons
de mettre en place ou de tirer bénéfice du système démocratique, c'est-à-dire d'entrer en contact avec le gouvernement. Et de rédiger des recommandations annuelles. Mais très souvent, la société civile critique, est très critique vis-à-vis de l'ensemble du processus de gouvernement. Et nous, nous essayons de mener une discussion stratégique avec le gouvernement, ce qui ressemble un petit peu à l'approche multipartite de cette conférence. Merci beaucoup. Nous avons presque atteint la fin de cette conférence. Je m'appelle lorsque j'ai vu pour la première fois une voiture autonome. J'étais vraiment surprise, presque choquée. Et même si je n'habite pas en Afrique, c'était en Californie. Et tout d'un coup, j'ai tout compris parce que dans cette région-là, il n'y a pas de gens qui se promènent dans les rues. Il n'y a personne. Donc, c'est la raison pour laquelle c'était même plus tellement choquant. Parce qu'à un certain moment, j'ai vraiment compris pourquoi on a inventé cette technologie dans cette région du monde. Mais très souvent, il est très difficile d'évaluer et de prévoir quels sont les effets d'une évolution technique qui est adaptée à une région déterminée dans une autre région. Notre comportement présente quand même un grand nombre de risques. Il faut trouver une meilleure compréhension, arriver à une meilleure compréhension du fonctionnement de ces appareils. Et j'espère qu'on va un jour arriver à un Internet des objets sur lequel on peut se fier. Merci beaucoup.